Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Moi, c'est Bangali Konaté. Je suis le coordinateur du projet de rectification rurale à IDG. Justement, vous avez dirigé une mission aujourd'hui. Vous avez visité les localités de Sougueta, de Linsang et d'autres localités dans la région de Kindia. Pour commencer, quelles sont vos impressions? En fait, le but de notre visite aujourd'hui, c'est d'accompagner une mission de la Banque africaine de développement qui vient faire le suivi et évaluation du projet de rectification rurale. Vous vous rappelez qu'entre le 19 janvier et le 20 janvier, le président de la République a eu à faire l'inauguration de ce projet qui couvre 41 localités de la Moyenne Guinée et de la Basse Guinée. Donc, le but de la mission de la Banque africaine, accompagnée donc par l'unité de gestion de projet, c'est de faire le suivi, évaluation de ce projet. Ça veut dire quoi? Et venir s'enquérir de l'impact que ce projet a procuré sur la population. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça a généré des activités génératrices d'emploi? Est-ce que l'éclairage public fonctionne bien? Et pour permettre aux étudiants ou aux élèves de réviser sous les panneaux solaires. Ensuite, voir vraiment l'impact positif de toutes les activités, les retombées économiques et positives de ce projet sur la population. Une question. Non. Peut-être que après cette mission, qu'est-ce qu'il compte faire en fait? À l'issue de cette mission, qu'est-ce qu'il compte faire? Donc à l'issue de cette mission, c'est de voir parce que limité dans le temps et limité aussi par le budget. Donc ce projet a créé de l'engouement au niveau des autres villages avoisinants et de ceux qui ont bénéficié de ce projet. Donc c'est de voir aussi comment, si le projet a été positif pour les populations, comment répliquer une deuxième phase de ce projet. Donc c'est tout ça maintenant, avec l'évaluation de l'impact, la banque quand même compte faire maintenant un deuxième projet du même genre. Merci monsieur. Je vous en prie.